Hey, you got it, pa? Oui, c'est moi. T'as du site. Tout est opérationnel. Ouh. Superbe. Carte. Niveau principal. Ah, c'est là où on est. Il y a un niveau 1 et un niveau 2. Putain, mais c'est gigantesque. Oh non. Qu'est-ce que c'est grand. Nous, on a juste fait ça. Tu sais, ça nous a pris déjà 120 ans. Pour beaucoup de gens. Impressionnant. Il y a même des invités. Des remerciements spéciaux. Oui, bonjour, excusez-moi, je suis là. There you are. Oui. Just warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and... Huh. That's weird. Oh non. Never mind. What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Oui, plug me in, and I'll take us into the abyss. Tu m'as dit, il y a un truc bizarre. Il y a une créature qui va être dedans. Et qui va sortir. Elle va nous dire, hé, hey, c'est mon Dunbat. Accès accordé. Coucou. Y a pas des algues, un truc. Parce que j'ai morflé pour être ici. J'ai donné ma vie. Oh. Je peux y tourner. Presque. Il marche pas. On va avoir des problèmes avec ce panneau plus tard. J'en suis tellement sûr. Oui, d'ailleurs, faut l'activer le Dunbat. Parce que là, on est sur les quais, je pense. Bah alors. Il est où le Dunbat Danger. Oui. Sérieusement? Sérieusement, il va vraiment falloir que je fasse ça. Faut le bouger un peu encore, hein. Ça a l'air bien. Et ça me servira quand il faudra que je fuis. Très bien. C'est noté. Bon, et maintenant il y a ça là. Comment ça se tourne là? Je peux juste faire des petits crans comme ça. Là. Faut le brancher là-dessus. Voilà, voilà. Là, il y a de la force. Ah hein. Ah. Système actif. Test de conduction, vas-y, test. Le système, ok, cool. Voilà. Après la libération. Qu'est-ce qui aurait pu
mal se passer. Putain, j'étais déjà mal avant, je suis encore pire maintenant. Ah oui, ouais, d'accord, tout est ruiné. Voilà. Oh là 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 là. Qui est encore ce petit bâtard qui nous met des bâtons dans les roues? Ça a frisé. C'est bon. Ah. Ceci est fermé. Shit. Succès déverrouillé, plan B. Ah, tu parles d'un plan? Pour le moment, j'en ai pas. Hein. Oui, c'est bizarre, mais c'est bon, ça va passer. Choc, il y a une autre créature. Damn it. Oh bah c'est là qu'on va être obligé d'aller dans toutes les autres chambres et tout ça. Tu s'expliques. Ah bah bien sûr. Je vais volupter. Allez. C'est dur d'être un robot, hein? Oh oui. Oh. Prends-moi. Ok. Il est à nouveau capable de survivre. Il y avait un appareil là-dessus. Un appareil. L'appareil, il faudra brancher ça dessus, très certainement. Ok, très bien. On sera bon pour trouver cet appareil alors, hein? Combinaison cybernautique Aimatsu CCH, utilisation pour votre sécurité et celle de vos collègues. 1. Enfiler les sous-vêtements en néoprène et le harnais corporel. 2. Vérifier visuellement l'absence de dommages sur la CCH. 3. Attachez les composants et votre harnais en commençant par les jambes et en poursuivant vers le haut du corps. Fixez tous les composants. Pour le dos et le torse, demandez à un partenaire de vous aider. 4. Appuyez sur le bouton verrouillé de votre bras. Vous entendrez alors la combinaison se verrouiller. 5. La combinaison stabilise la pression et commence à puiser dans la réserve d'oxygène. 6. Si la combinaison ne se verrouille pas d'elle-même, fléchissez les amortisseurs et réessayez. Si le problème persiste, n'essayez pas de verrouiller vous-même. Contactez le service de maintenance. Remarque, les CCH sont très lourdes, mais le poids sera compensé par la force que vous donnera la combinaison. Soyez prudent, ne sous-estimez pas votre force. Entraînez-vous régulièrement, ne retenez pas votre souffle, ne restez pas trop longtemps à l'extérieur, ne plongez pas trop profond, et ne plongez pas avec du matériel défectueux. Mais ça doit être nous, ça, en fait, c'est les combinaisons qu'on dirige en ce moment. Waouh!
une équipe de choc. Navette à destination d'Omicron. Ah bah voilà, ça doit être l'équipe qui s'est dit hey, on va balancer l'arc dans l'espace. Enfiler une CCH, descendre dans les abysses avec le climber, fouiller tôt, présence de survivants, accès au tunnel menant à Phi, lancer l'arc. D'accord, donc il faut aller à Omicron, prendre une navette. Enfin, il faut aller à Omicron, descendre dans les abysses, aller dans Tau, et ensuite aller à Phi pour lancer l'arc. Voilà. Bloc d'alimentation, outils, kit TMT, oxygène supplémentaire, autorisation, pathos 2. Préparation de l'arc avec émetteur de signaux. Et plein de petits cordes. Ok, d'accord. Superbe. Génial. Génialissime. Très heureux, très très heureux. Commencer par lire ça et on balancera Catherine après. Est-ce qu'il y a des explications à donner ? Ma décision. J'ai décidé de finaliser l'arc avec les scans dont nous disposons. Je suis désolé pour tous ceux qui souhaitaient participer au projet et qui n'ont pas eu la chance d'être scannés avant sa suspension. 2 mois se sont écoulés depuis le dernier scan et je ne sais comment vous remercier pour le soutien que vous m'avez tous apporté au lancement du projet. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu la mort de qui que ce soit. Mon intention n'était pas de vous duper, je croyais bien faire. Docteur Catherine Chun. Affaire. Appliquer le module d'interface, sceller la capsule de... Enfin, tout ce qu'on va devoir faire, en fait. Sceller la capsule de l'arc, demander une autorisation à 4Q, briefer Ivashkin, Lindwall, Pedersen et Hill, prendre la navette pour Omicron, récupérer des combinaisons cybernautiques, descendre dans les abysses avec le Climber, se regrouper à Tau, rejoindre le site de lancement, charger la balle et lancer l'arc. Il y en a des choses à faire, hein? Là. Huh? Wait, this isn't. Oh no! Wow got to the Dunbab before we did, am I right? Well, it was talking. That's rarely a good sign. Damn it! The Dunbab was our best shot. I was really banking on this to work. Come on, we can't quit now. There's gotta be another way. How do you think you did it? How did the team get the Ark down the abyss in the first place? Avec le Climber. If they didn't use the Dunbat, the only other way would be the Climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Okay, so we do that. We go to Omicron and take the elevator. Yeah, okay. Sure. We'll just head over to Omicron and hope there's a power suit that fits you. You know, so you don't implode while in the abyss. That does sound useful. All right, let's go then. Wait, what is this place? Seems to be a lot of information on the Ark here. There's a prototype and everything. Okay. Let's start it up. I want to see how it works. Maybe we can figure out how to get on the Ark. You didn't know how to get us on? How difficult could it be? Welp. Start an Ark simulation. I want to see how it works. Très bien. Dégager ça. On sait pas brancher les trucs. Tiens. Alors détecté au niveau de la mémoire système. Ouais. Mémoire corrompue en configuration de la simulation nécessaire. Ok. Oh mon dieu. Mais tout est corrompu. Il va falloir décorrompre. Hein, décorrompre tout ça. What's this thing? That's just a compound examiner. Coster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Are you excited? If I knew what you were made of, it would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Give it a try. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Ouais, on est un peu de combinaison, hein.
You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Combinaison dans une combinaison. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No, hold on, back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. Donc, toi, tu vois, elle est pas du tout that comme ça, ouais. We can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into, just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. At least we know how to get on the Ark. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Très bien, donc nous sommes Reed. Nous sommes Reed. Donc là, il me faut le micro pour passer, très bien. Sauf que pour passer avec le micro, il faut que je fasse une petite simulation, hein. The Ark doesn't even look that bulky. This is gonna be easy. You haven't heard of the concept of jinxing, have you? Sorry, I forgot your people were superstitious. Donc, attends, parce que c'est quelle machine là qu'il faut que je prenne? J'ai pas l'impression que je puisse construire ça. Je peux interagir avec des choses. Réduire l'encombrement mémoire. Ah voilà. Ok. Faut que j'atteigne pile poil le bon chiffre, c'est ça? Ah, d'accord, il y a des requérements de base. Du coup, là, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il faut qu'on enlève des choses. Ah, mais il me faut ça aussi. Ah, il me faut tous les trucs du coup là. Non, ça j'en ai pas besoin, ok. Ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin, ok, d'accord. Ça il me le faut. Ça j'en ai pas besoin. Ça il me le faut, ok. Ensuite, il me faut de la lumière. Il me faut le soleil. Ça c'est le soleil. Ok. Ensuite, il me faut l'humdine. Qu'est-ce qu'il me fait de l'humdine? Ah, c'est ça. Ah! Le temps que je comprenne où est le puzzle déjà. Shouldn't be that difficult. I just want to make sure I understand how the scan data is formulated before we start messing around with the real arc.
Run the simulation and then hit pause while the code is running. It'll give me a cross-section of the process. Better not use real data. I don't want to repeat what we did to Brandon. Second that. Pâtisse, dans ce cas. Module chargé. Ouais. Ça a l'air de tourner en rond. Est-ce que c'est normal que ça tourne en rond? Je ne pense pas. We need to pause while the dummy is loaded, otherwise I can't know if it's working or not. Scan factice lancé. We need to catch it while it's being loaded. Pendant son chargement. Try pausing it when the dummy is loaded. Voilà. Ouais. Ha! Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit now? Yeah, we should get going. Wanna bring this arc as a backup? No, that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Okay. Du coup, les deux là, ça servait à rien. J'ai une mauvaise habitude de me concentrer sur un truc. Et même si c'est pas ça, c'est pas grave. Ah ! Oh, tu sens tellement qu'on va avoir des problèmes ici. Tu sens tellement qu'on va devoir courir.